Ok, là il doit y avoir du son maintenant. J'avais mal configuré le son. Donc ouais, j'étais en train de vouloir compiler Solaris et Solaris Quest Editor dans leur dernière version Git sous Windows. Sachant que j'ai plus Git et je sais pas pourquoi. Donc j'ai téléchargé les zip comme un bourrin. Et maintenant on va demander à CMake de faire le travail. Donc où est le source code? Il est là. Build by binaries. Non, Solaris build. Après on fera Solaris Quest Editor. Voilà. Alors. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Je pense que le truc par défaut c'est le bon. Configure graphique run CMake du V8, select the source, configure to choose one kind of project. Donc, ah non, c'est ce... en fait moi je vais le faire avec code block. Donc ça va être code block min gw je pense. Et il va falloir souvent faire ça parce que ça m'étonnerait qu'il trouve automatiquement un compilateur sous Windows. Ok. Ouais, il n'a pas trouvé de compilateur. Alors déjà, il a trouvé SH donc il n'est pas content. Peut-être que c'est pas ça qu'il fallait prendre. Il faut faire Unix Makefile. Ah, il a trouvé un compilateur 4.8, c'est très bien. Après, donc il trouve pas SDL2 image. Ça y est, bon là on commence la partie super chiante. Donc, ah, il a pris celui-là. Il a pris tout ce qui est dans min.gw. On va prendre les machins dans code blocks. Bizarre ça. Comment j'avais fait la dernière fois? Peut-être qu'il voulait faire ça. Ouais. Alors là, c'est 4.7 maintenant, tiens. Il a mélangé des trucs code block avec des trucs dans min.gw qui sont à un autre endroit.
Donc cmake prefix path égale. Du coup, on va quand même essayer ça. Donc là, il a trouvé des trucs. Bah, il a quand même gardé du machin call blocks. Bon, on va essayer comme ça déjà. Ça me paraît très très bizarre. Alors, donc il a dû générer un projet code block dans build. Voilà. Ouh là là. Les problèmes d'espace là ou quoi? Parce que le makefile il est bien là. On va recommencer. Ah. Je suis sûr que ça marchait pourtant, hein, j'avais déjà fait. M6 make files. Bon, on va essayer d'enlever ce truc-là du path déjà. Donc c'est ça qu'il faut enlever. Alors, quoi? C'est quoi ces conneries encore? Génial.
Il a quand même réussi à trouver des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ok, ça commence mal. Donc il a le SH qui l'embête. Parce que là il n'y en a pas. Donc je pense qu'il faut que je mette ça dans le path, mais pas l'autre. Point virgule. Alors, CMake, Solarus, configure, create the build directory, tac, ah là il râle pas, ça y est il râle, donc il trouve pas SDL2 image, donc il a pris les compilateurs dans MinGW, alors... On va le laisser faire comme ça. Et il doit manquer donc SDL2 image. Parce que là aussi il y a un MinGW dans CodeBlock lui-même. Donc. Je sais plus pourquoi j'avais installé MinGW là. Include SDL2 là aussi. Il n'y a peut-être pas SDL2 image. Merde, j'ai dit non. C'est bon, il est là. SDL2 image, il le trouve toujours pas. Il a trouvé le DLL, il n'a pas trouvé le include. Et ni le main d'ailleurs. SDL2, ils sont là. Alors. SDL2 main library. Où est-ce qu'il est? Peut-être qu'on n'a pas besoin en fait.
sol, ça. SDL2 includir C Windows System 32. Ça va pas la tête. C'est vraiment insupportable de compiler sous Windows. Mais il n'y a rien là-dedans. Pourquoi il a trouvé SDL2 includir, il a mis à ça. N'importe quoi. Normalement, je suis sûr que j'avais fait cmake prefix path égal un truc qui était correct. Donc on va essayer code bloc comme ça. Est-ce qu'il faudrait pas faire. Merde. Avec des slash plutôt. Bon, ça change rien normalement. Parce que là, effectivement, il arrive à tout trouver. Il prend toutes les bibliothèques à partir de code bloc. Et j'avais noté, hein. J'avais tout noté. Mais j'ai pas eu les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Je t'ai expliqué là. Build. Configure build. C'est là, c'est le coup du cmake prefix path. Generate. Bon, alors est-ce que ça va mieux se passer cette fois? Au moins il compile. Donc là c'est très lent parce qu'il compile en avec un seul cœur. D'ailleurs je pense que ma machine virtuelle Windows, j'ai dû lui mettre qu'un seul cœur. Ah tiens, les points INL, il les connaît pas à CodeBlocks. Je sais pas si c'est très habituel, INL. Moi j'aurais fait HPP. Donc là, pour info, je suis quand même allé relativement vite. Ça pose souvent bien plus de problèmes encore. Et Java, je ne veux plus Java. Je pourrais bientôt les installer d'ailleurs. De Windows.
Parce que sous Linux, faut pas exagérer quand même. Je joue toujours à Minecraft, de temps en temps. Alors, on aura probablement des soucis de compilation dans l'éditeur. Déjà, bon, il y a le coup du std2String qui a été reporté comme posant des problèmes. C'est ce bug-là. Et puis, deuxièmement, il est assez probable que j'ai oublié de mettre des exports DLL. Des directives DLL export dans le moteur, dans certaines fonctions et classes du moteur qui sont appelées par l'éditeur. Parce que il n'y a que sous Windows qui a besoin de le faire. Donc apparemment c'est. Ah oui, c'est Solarus, là je suis dans le moteur. Donc c'est dès le moteur qui a une version. Un bug, bah ben voilà. Voilà, on a le problème. STD string? Ah, STD to string pour convertir un nombre en chaîne sans faire trois lignes. Donc effectivement, j'ai le même problème. Avec 4.8. Donc maintenant qu'on a le problème, on va pouvoir le corriger. Donc c'est un bug apparemment dans GCC, enfin dans MinGW. Donc on va contourner le bug. Alors le problème c'est que j'ai pas Git. Donc je vais être obligé. Ça c'est super chiant par contre. Est-ce que ça serait pas l'occasion d'installer GitHub pour Windows? Voir ce que c'est. Alors. Tout à l'heure il m'a proposé le lien avec ça, je pense. Merde. Mais c'est un truc dans le navigateur? C'est bizarre ça. On va voir ce que c'est. Moi, pour moi, c'était un client à part. Bon, j'ai vraiment un trop vieux système d'exploitation, je peux plus rien faire. Ok, alors on va corriger ça du côté Linux. Oula, j'aurais pas dû lancer Eclipse. J'avais déjà des problèmes de mémoire vive tout à l'heure. Ça va pas s'arranger. Donc, std2String, il faut l'éviter. Il est utilisé à un seul endroit, on dirait. En plus, c'est dans un message d'erreur d'assertion, quoi. Ouais, il utilisait que là. Donc, je suis pas embêté. Le but d'une insertion, c'est pas de mettre des messages d'erreur absolument complets.
essaie de faire un abort pour que le développeur puisse corriger. Donc on va juste faire ça, build. Pour l'instant Eclipse est toujours pas lancé parce que j'ai des problèmes de lenteur là depuis que j'ai lancé VirtualBox. Je vais essayer de tuer Eclipse. J'arrive pas. Ça ne répond plus. Ça répond très lentement. Oui, donc j'ai le même truc dans un autre, endroit de ce même fichier. Hop. En fait, les assertions, elles devraient même pas donner de message d'erreur. Elles, habituellement, dans STDA, pas du tout de assert, de message d'erreur. Et ma souris est bloquée. Alors, est-ce que j'arrive à tuer Eclipse maintenant? Il s'est toujours pas lancé. Donc, je fais la même correction du côté Linux, comme ça, je pourrais committer. J'ai des gros problèmes de lenteur. Alors, toString. C'est bon, c'est revenu? Ouais. Non, pas vraiment encore. Oh purée. Donc, ok. No such direction.
Alors, on va marquer le bug comme résolu, c'est le 651. Et c'est commité. C'est bon. Donc après j'ai des problèmes de undefined référence. On va bien voir ce que c'est. T'as codé une classe pour pouvoir lancer la quête dans un thread différent. Quest Manager. Ah non, tu peux enlever la ligne Class Quest Manager. Ça n'existe plus, je crois. C'était une ancienne ligne. Alors, je vais faire un grep Quest Manager quand même. Ah ouais, elle est présente deux fois. Dans Main Window. Ben, attends, je vais le faire tout de suite en fait. Main window, editor tabs. Quest manager, ça n'existe plus. C'était une ancienne classe qui donnait un accès statique à la quête courante. J'ai supprimé, il n'y a plus rien de global maintenant. Il n'y a plus de quête courante globale. Parce que les vues au départ, par exemple la vue de l'arbre de la quête, aller chercher donc la quête courante globale pour savoir de quel chemin afficher les fichiers. Et maintenant c'est plus le cas. On fait un set quest. Et donc c'est mieux parce que ça sera plus évolutif quand on voudra par exemple faire un système d'import de trucs d'un autre projet. On pourra réutiliser la vue arborescente pour un projet qui n'est pas le projet courant. Voilà, c'est commité aussi. Donc Quest Runner, ça me paraît bien comme nom pour le système qui lance la quête dans un thread différent. Alors, donc l'UA, c'est les seuls qui ratent. Ouais. Donc il a pourtant bien found l'UA JIT. Donc il y a quelque chose qui va pas. L'UA Library, c'est l'UA JIT machin. Cette data. Pour
pourquoi il n'y a que telle set data qui génère cette erreur là? Lui a lit Paris, code bloc lit machin truc. Est-ce que il ne faudrait pas plutôt, si tu veux, est-ce qu'il faudrait pas plutôt prendre que j'ai un DLL mais il n'y a pas de point A. Alors normalement il est censé s'en sortir quand même, mais peut-être que pour celle-ci il s'en sort pas. Il y a libjluagit.a qui est là. Peut-être qu'il faudrait lui donner celle-ci. Donc le nom exact libjluagit.a. Je pense que la dernière fois j'avais utilisé l'UA normal et pas l'UAGIT. Ah, pareil. On fait un clean. L'UAGIT qui est là, en plus, c'est probablement moi qui l'avais compilé. Et puis si ça veut pas, j'utiliserai l'UA normal. Au moins pour l'instant.
rester avec l'UA, l'UA standard. Comment ça se fait? Oui, reload. T'avais pas reloadé? Mais ça change rien. Donc voilà, ça c'est les magnifiques erreurs de Linux sous Windows. Totalement incompréhensible. Et alors, est-ce que c'est que ce fichier? Non. Si. c'est plus que bizarre s'il y a un seul fichier, parce que qui pose problème. C'est plus plus point exe tiré chez un machin. Oblex.a construit la DLL. Kernel 32 machin. Pourquoi il n'y a pas tiré L l'UA et tiré L toutes les autres en fait? C'est peut-être pas que l'UA qui pose problème. Donc c'est mon cmake list, mon cmake file qui serait faux. Le add library. Oui, alors il manque un target link library.
c'est ça qui manque. Ou alors, on va essayer. Ça veut dire qu'il faut le spécifier à la fois sur l'exécutable et sur le DLL. Ouais, c'est ça. Alors après, ça, je sais ce que c'est. J'ai déjà eu ce problème là. C'est un mismatch de compilateur. J'ai dû compiler mode plug avec pas le même compilateur que celui que je viens d'utiliser à l'instant. Donc pour ça, alors avant, déjà je vais remettre l'UAGIT. Puisque si ça peut marcher avec l'UAGIT, ça serait tant mieux. C'est quand même la façon que je recommande. Voilà. Donc, figure, generate, reload, build. Ok. Donc en fait, maintenant, je vais tout recommencer. Il faut juste que je prenne non pas ce compilateur-là, mais celui qui est avec code block. Donc il faut que je remplace C mingw par C programfs code blocks. MinGW. Il y a probablement un moyen de le faire. Merde. De façon globale, mais je sais pas comment. Merde. C'est peut-être. Peut-être que si je fais juste CMake CX Compiler, il va mettre à jour tous les autres. Je sais qu'il reconstruit plein de choses quand je change ça, en tout cas. We have changed machin, that require truc. Non, il n'a pas changé ça, par exemple. Mais tout cela, il les a changés. Ok, cool. Après, il m'a remis la merde ici. C'est make prefix path. Est-ce qu'il l'a toujours? Non. Value. Bon, alors comme c'est un pass, tu vas me proposer un petit sélecteur. Code blocks mingw. Voilà. Et du coup, il trouve tout. Il va bien garder le compilateur que je voulais, j'espère. Ouais. Ok. Configuring done. Generate done. Donc là, le projet a dû pas mal changer. Il faut que je fasse un clean parce que alors là c'est plus le même compilateur, donc on se tape une troisième compilation complète. Ah, t'as pushé, alors t'as vraiment réussi à faire le, donc à lancer dans un thread séparé. T'as utilisé l'API thread de Qt, alors je suppose. Je regarde le diff pendant ce temps. Quest runner. Qthread. D'accord, donc on hérite de Qthread. Et on redéfinit run. Cool. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc
là, je suis passé de 4.8 à 4.7. Ha. GCC 4.7, il n'y a pas le mplace. Donc, est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est un bug comme tout à l'heure? Je pense que c'est de ma faute. Normalement, GCC 4.7, ça doit fonctionner. Donc là, je pense qu'on va être un peu embêté si on ne peut pas utiliser mplace pour ça. Alors effectivement, une meilleure solution pour régler mes problèmes serait d'utiliser 4.8 aussi pour compiler mode plug. Mais comme j'ai annoncé que ça compile avec GCC 4.7, j'aimerais bien que ça puisse marcher. Parce que si je remplace mplace par insert, ça marchera peut-être pas. À cause du unique PTR. Ça marche pas. Et si je fais type pattern de id égale stdmove, ouais, ça passe. Ok. Donc. Tile patterns de id égale. Des moves, est-ce qu'il y en a d'autres? Et il faut aussi que je commit le changement dans le cmake list. Enfin, dans cmake. Ah non, je suis dans build. Cmake add Solaris exécutable. Vérifier que ça compile toujours sous Linux en faisant ce target link libraries en plus. Réponse oui. Alors je pense qu'il y en a peut-être d'autres après des mplace. Quoi? No match for operator, ça va pas non plus faire ça.
Ah merde, il y avait un souci avec le son. J'avais coupé le micro. Donc je disais GCC 4.7, il a un support partiel de C++11. Donc si je veux que conserver une compatibilité avec 4.7, il faut que j'enlève tous les unplace. Ce qui est pas franchement une bonne idée. Et il faut que j'enlève aussi les threads local. Ce qui est pas non plus une bonne idée. Donc je vais finir de le faire, mais je pense que pour après, je garderai 4.8. Make pair. Pourquoi j'utilise pas 4.8? Parce que j'utilise comme dépendance la libmodplug que j'ai compilée moi-même il y a quelques mois et j'avais compilé avec 4.7. Parce que j'ai 4.8 dans C Program Files Code Block MinGW et j'ai 4.7 dans C MinGW. Donc pour une raison, je me souviens plus pourquoi, j'avais dû compiler le modplug avec 4.7. Et donc j'ai mis dans compilation.txt que Solarus pouvait compiler à partir de GCC 4.7. Donc si c'est ce qui est marqué, j'aimerais bien au moins que ça soit vrai. Mais c'est vrai que je suis en train de commencer à changer d'avis vu que je viens de renoncer à tous les mplace, et il y en a beaucoup, et au thread local. En plus, je pense que maintenant 4.8 il est assez répandu. Purée, il y en a plein. Je commiterai pas à ça. C'est juste pour maintenant parce que j'ai envie de que ça compile et d'aller jusqu'à compiler l'éditeur sous Windows. F9. Ça y est, Link. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah.
Il a une undefined reference vers lui-même. Donc là, il fait le vrai link final de... Oui, il est tiré haut. Langage data.exe. Ah, c'est les tests unitaires. Ah, c'est le test unitaire qui linke pas. Alors, Solaris current quest get resources. Current quest. Il manque la déclaration Solaris API, je pense. Par exemple, si on regarde map data, la Solaris API. Faire pareil dans quest resources, donc sachant non dans current resources, current quest pardon, donc swap header source. Namespace. Donc ça, c'est les joies de Windows. Par défaut, les fonctions publiques ne sont pas utilisables quand vous faites une DLL. Allez savoir pourquoi. Elles sont publiques, mais elles ne sont pas utilisables. Alors, attendez, parce que il y en avait un autre. Non, ça a disparu. Il y avait une autre classe avec la même erreur. Ah, mais il faut que je fasse du côté Linux pour pouvoir le commiter aussi. Ah. Current quest. Alors c'est quest files. En fait, je devrais compiler beaucoup plus régulièrement sous Windows parce que je fais tous les 6 mois. Ça pose plein de problèmes quand je le fais. Alors, quest files. J'ai pas de classe quest files. C'est en low level. Oh, file tools. Donc c'est une classe. Alors là c'est facile. Solaris API. Et c'est tout.
compile plein de choses parce que j'ai changé un .h qui est très utilisé. Tous les gens qui veulent accéder à des fichiers, la quête, ils appellent ça. D'ailleurs, c'est une classe, mais ça doit être un namespace vu que c'est que des fonctions statiques. Non, le ifdef, c'était pas un problème de copier-coller, c'est un problème de renommage de fichier. Parce que ce fichier-là, avant, il s'appelait FileTools. Et j'ai renommé en QuestFiles parce que c'est pas du tout des fonctions utilitaires génériques pour manipuler des fichiers. Mais c'est des trucs spécifiques pour l'organisation des fichiers d'une quête Solarus. Alors ensuite, c'est Entity Data Field Value. Donc c'est bien sûr tout le code récent qui a été écrit après la dernière fois que j'ai compilé sous Windows. Entity Data, où es-tu? Là. Donc fill value, il lui manque un petit Solarus API. Qu'est-ce qu'il raconte? Is newer? Non, ça c'est rien. J'espère que pour l'éditeur on aura moins de problèmes. Je pense qu'il y a aussi des mPlace dans l'éditeur. Mode plug, où est-ce qu'il est mode plug? Il est là. C'est bizarre que je l'ai compilé avec 4.7 alors que j'ai compilé avec CodeBlocks. Il n'y a pas de fichier CMake dans mode plug. Je l'ai compilé en console. J'ai compilé en console avec min.gw. Bah non, j'ai compilé avec ça pourtant. Limodplug.cbp. Bizarre autant qu'étrange. Ça y est, c'est compilé. Il a réussi à compiler les tests unitaires. Alors, donc comme je vais faire le commit non pas sous Windows mais depuis Linux, faut pas que j'oublie de faire les mêmes modifications sous Linux. Quest files, current quest, entity data, c'est bon, et field value. Ok. Donc je commit. Fix Windows link errors. Git push, ok. Donc voilà pour le moteur. Et maintenant, donc, on va passer à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'éditeur, voir à quoi il va ressembler sous Windows. Hop. Alors, non. Pour l'éditeur, on va utiliser Qt Creator. Et c'est Qt Creator lui-même qui va gérer CMake. En tout cas, ça avait bien fonctionné quand je l'avais fait. Quoi ? Ok, mais on s'en fout. Welcome mode load error. C'est le welcome mode qui marche pas.
Donc, ouvrir un projet. Donc là, il faut que j'ouvre le CMakeList de Solaris Quest Editor. D'ailleurs, il y a déjà un dossier build. Ah oui, puisque je l'ai fait avec la GUI de CMake. Donc, emplacement de compilation, Solaris Quest Editor slash build, backslash build. Exécuter CMake. Générateur min.gw. Donc là, c'est le compilateur min.gw qui est dans Qt cette fois-ci. Il trouve pas SDL de image. Des trucs. Non, il n'y a pas un... Ah si, c'est le readme. .md, il connaît pas. 5.2 Dependencies with Qt Creator. Bon. CMakeOutput.log, on aura plus de détails. Un peu trop même. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre dans cqt tools min.gw include? Pas grand-chose là. Alors là plutôt. Il faut mettre tout SDL2 là-dedans par exemple. AL, ImageBlock.ogg, SDL2, Vorbis. Donc déjà si je mets ça, il devrait aller un tout petit peu plus loin. Il continue à dire qu'il trouve pas SDL2 image. Argument. C'est mec préfique passe. Ok, ça marche mieux. Il a trouvé SDL2 image. Donc il faut que je mette les autres que j'avais pas encore mises. Il y a FizzFS, entre autres. Il y a tout l'UA.
Office FS. Mode plug. C'est libmodplug.h. Où est-ce qu'il est? Il est dans un répertoire, c'est libmodplug. J'ai peut-être oublié. Non, j'ai pas oublié. Pourquoi je trouve pas? Ah non, c'est library, c'est pas le include. Donc c'est bon. Aussi lui indiquer les emplacements de Solarus. Donc ça, j'ai qu'à lui indiquer à la main. Include dir égale ça. Librairie égale pareil. Donc non, ça c'est build slash include. Et librairie égale build slash libsolarus.dll. Document sur la russe. Quoi? C'est quoi ce bordel? C'est à cause des guillemets. Donc maintenant, les bibliothèques. Donc les bibliothèques sont dans... Peut-être dans bin. Non. Ah si, elles sont dans bin et dans lib. Bah là, il y en a plus. Et dans lib. GCC. Non, c'est là qu'il faut que je les mette. Et donc... J'en ai aussi dans bin. Non. Mode plug library. Où est-ce qu'elle est? Forbis. En fait, j'ai qu'à demander à CME que j'ai 8.
pour Solarus. Où est-ce qu'il a trouvé le modplug library? Ici. Mais j'ai oublié l'imodplug.a. Ah, c'est le point A, moi j'ai cherché un DLL. Donc. L'imodplug.a, ça y est, on l'a trouvé! C'est la bibliothèque qui permet de jouer des points, des musiques.it. Ouh, ça y est. Bon, une fois qu'on a passé cette étape, c'est que normalement ça marche. Il tente pas de compiler des choses tant qu'il a pas toutes les dépendances. Allons-y, on va voir quels autres Solarus API sont manquants. Alors, Solarus Entity Types. Entity Type. Ah non, c'est pas bon le include dire que je lui ai mis. C'est faux. Solarus include dir. En fait, il y en a deux. Je sais pas comment lui donner les deux. Celle que je vais donner, elle a juste le config.h. C'est ça.